J'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous proposer la suite du tuto des albums 4 saisons. Donc je vous ai présenté celui de l'hiver, donc j'ai simplement rajouté le petit renard, petit Père Noël et rien de plus, petite carte sur la cascade, et un petit flocon. Voilà, pardon. Celui du printemps, c'est pareil, je l'ai terminé. J'ai rajouté ceci. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites fleurs. Et j'ai habillé donc les petits emplacements pour mettre des cartes ou des photos. Donc j'ai habillé le dos de chaque rabat. Voilà, donc j'ai mis du rose. Et là, j'ai assorti au papier déco. Avec toujours le petit emplacement pour une photo, une petite carte, ou ce qui vous fera plaisir. Et une petite fleur de la collection. Et là, j'ai mis une petite carte. Eh ben. Ça sent le sapin. Hein. Ça sent surtout l'hiver. Le froid commence à arriver. Voilà, donc ce matin, on va faire celui de l'été. Donc c'est la même base, hein, toujours. Hein. Donc la base fait 40 cm. Donc c'est deux feuilles à 4 que j'ai collées ensemble. Sur une hauteur de 17, j'ai fait un pli à 15 à 16. Puis 15 et 16. Qu'est-ce que j'ai fait? La colle, voilà. Eh ben. Mon gabarit, il est là. Il n'y a pas de dessous. Donc j'ai pris une feuille à 4 que j'ai coupée sur une hauteur. Attendez, parce que si je me mets blanc sur blanc, ça va pas le faire. Donc j'ai coupé sur une hauteur de 15 cm. Donc 15 cm sur 28 cm. Donc 15 sur 28. Et sur les 28, j'ai fait un pli à 2. Et j'ai fait un pli donc à 2, pardon. Et à 15. Donc 2, 15. Et il doit rester normalement 13 cm. Voilà, c'est ça. Ce soit un petit peu plus facile. Je sais pas si j'ai pas replié un peu loin. Ouais, il va falloir recouper. Hein. Parce que là j'ai 13 et 13. Donc on va recouper un petit peu. Donc vous coupez à 13 et puis à 12 et demi. Donc vous enlevez 0,5. Normalement ça devrait suffire. Donc je le passe là-dessous. Je m'y habitue un peu. Beaucoup de mal quand même. Voilà, donc j'ai enlevé 0,5. Tac. Ce sera mieux pour le pliage. Hein. Voilà, donc ce sera mieux. Donc je vous redonne les mesures. Donc ça fera 27,5. Donc 27,5 sur 15. Et vous pliez à 2 à 15. Donc ça vous fait deux parties de 13 sur 15. Hein. Et ce rabat, cette petite petit double rabat, on va arrondir les angles comme j'avais fait. On va le coller en haut, tout simplement. Voilà, donc je colle en haut, au milieu. Normalement, j'ai juste la place. Hein. C'est trop petit ou trop grand, non, c'est pas bon. Je
Ça c'est tout. Alors soit comme ça à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Toujours en bas on va y coller le petit clapet, donc du coup il va servir de fermeture pour le rabat. Donc vous mettez un peu de double face, un petit peu de colle, on va enlever ça. Alors un petit bout de double face. Hop, en bas. Voilà. Il fait un temps magnifique, mais il n'est pas chaud. Hein. Il fait pas chaud. Tac, je colle en bas. Au milieu. Hop là. Alors au milieu. 15. Sept et demi. Et le milieu de 10. C'est toujours les morceaux de 10 sur 7. Hein? Voilà. 10 sur 7. Je vais peut-être lui mettre du papier déco avant. Oui, vous avez raison. Je vais d'abord couper mon papier déco. Donc, sachant que j'ai un morceau de 15 sur 17. Hein. Donc, un papier déco pour le thème de l'été. Je vais mettre de côté, ça n'en a plus besoin. J'ai pris celui-là. Ça, c'est pareil, c'est un vieux bloc de chez Action. C'est bien dans le thème. Estival. Voilà. Alors, on coupe les papiers. On va prendre celui-là, par exemple. Pardon, je passe devant. J'ai pris celui-là. Donc, ça fait 14 et demi. Donc, 14 et demi. Oui, c'est ça, 14 et demi. Sur 16 et demi, hein, parce que j'ai 17 de hauteur, donc sur 16 et demi. Voilà, je suis un peu loin, pardon. Ah, j'ai coupé trop court. Bon, étonné que je n'ai pas une connerie. Donc j'ai bien 10. Ah non, j'ai 18. Pardon, j'ai 18. Oh, je perds la boule. 18 sur 15. Donc 14 et demi, je recommence. Je suis de l'autre côté, pardon. 14 et demi. Sur 16 et demi. J'ai oublié que j'étais sur 18. Voilà, ce sera plus joli quand ce sera. Pensez à la bonne taille quand même. Voilà. Quelques vagues. Voilà un pic. Hop, ça brille. Comme ça, je peux coller mon petit morceau de papier qui va fermer la petite. Les deux rabats. Voilà, donc ça c'est tout. Celui-là, il sera pas très compliqué. Hein. Il y aura juste ça. On va refaire notre petit bout de papier comme ça. On va prendre des chutes. Donc on a dit... Bon, Sophie. On a dit 10. Donc 10.
sur 7. Donc 10 sur 7. 7. J'aime pas ce truc du tout. Je vois pas le... Oui, ça bouge. Ça, c'est pas... Ça sent les doigts. C'est pas le moment. Voilà, pareil que tout à l'heure, un petit bout de double face. On va le coller ici. On va coller un petit bout de papier. On va prendre les palmiers. Donc, on a toujours 14,5. Hop, 14,5. Hop, je suis un peu loin, pardon. Hein. 14,5 sur 17,5. Voilà. Allez, on va coller les palmiers. Il est très joli ce papier, mais ce que je regrette sur ces blocs, c'est qu'ils soient recto verso. C'est dommage parce que finalement, on gaspille. Bon, quelquefois, il y a un côté qui est moche, hein, qui nous plaît pas, c'est pas un problème. Mais là, les deux côtés sont jolis avec ces bateaux et ces palmiers. Mais bon, ça va, j'ai rien dit. J'ai promis que je ne rouspétais pas cette année. Ça va être dur. Affreux. Le roumeg, comme on dit ici. Tu roumeg. Hop, allez, on arrête de rouméguer. Un petit bout de double face. Donc, je ne rouspète plus, mais j'aurai quand même des coups de gueule. Notamment ce matin, j'ai vu un très joli tuto sur YouTube. Hein. Mais je suis toujours... ça me fait toujours... ça me fait pas de la peine, ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens critiquent Action. Bon, il y a un magasin dont je ne citerai pas le nom, que je déteste. J'aime pas parce que... D'abord, ils sont mal accueillants, ils sont désagréables, le parking est pourri, plein de trous minables. Je le critique pas, je n'y vais plus. C'est pas compliqué. Donc, si le magasin Action ne vous plaît pas, ben, n'y allez pas. Allez faire vos courses ailleurs. Si vous avez les moyens de mettre 60 € dans un bloc de papier et 45 € dans deux morceaux de ficelle, tant mieux pour vous. Moi, je les ai pas. Donc, je continue avec ça. Ça, on l'habillera plus tard, hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc c'est pareil, je suis toujours dans le même papier. Il y a un petit peu de coquillage. Donc je coupe tout ça et je vous rejoins. Je vous retrouve après. Tac. Voilà, donc j'ai découpé des papiers. Donc ça c'est l'arrière des petits coquillages. J'avais des couleurs un peu sable. Hop, je prends les coquillages pour mettre dessus. Voilà, un bec. Voilà. Donc, je ne défends pas fermement le magasin Action, mais moi, je trouve qu'ils ont de très, très bons produits. Évidemment, il faut faire le tri, hein. Tout ne s'utilise pas pour le scrapbooking. Il y a des choses qu'on peut utiliser pour d'autres choses, justement. Donc, je ne critique pas le magasin. C'est un magasin que j'aime pas. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, on va mettre un peu de sable. Ah, je suis trop grand. J'ai coupé trop grand. Alors, j'aime mieux couper trop grand que trop petit, remarque. Là, j'ai 12 et 2. Ah oui, parce que j'ai enlevé un 0,5, c'est vrai. Donc 12 et demi, donc ça fait 12. Donc ça fait 12. On colle tout le truc, mais bon, ça fait rien. Donc 11 et demi. Voilà, on ne sait pas. On n'est pas au millimètre, hein.
Voilà. Hop, l'autre côté pareil. Je vais mettre les petits encres marins. Les encres marines, pardon. Alors après, à vous, vous êtes libre de rajouter une pochette ou un petit passant. Vous voyez, par exemple, une petite chute de papier comme celle-ci. Là, je suis un peu courte, mais vous pouvez rajouter un passant ou faire une petite pochette. Voilà, moi, je vais essayer d'y mettre un petit peu de la déco. J'en ai peut-être pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de décoration en ce moment. J'ai vraiment, je suis très, très, très pauvre en décoration. Parce que finalement, toutes celles que j'avais, je les ai utilisées pour essentiellement pour les albums de Noël. Après, je vous dis en fleurs, en coquillages et crustacés. Je ne suis pas très très riche. Et puis, j'ai un petit moment que j'ai pas acheté en ligne. Voilà. Ça, c'est un bec. Voilà. Hop. Hop. Bon, il manquera les pour les petits bouts. Qu'est-ce qu'il me reste? Un petit bout de papier. Ça, c'est une dune de sable. Les petits palmiers. On va mettre les encres. Donc là, j'ai toujours 18 de hauteur. Et pas 17. Donc 18 sur 8. Donc ça fait 7,5. Alors 7,5. Sur 17,5. Voilà, on va arrondir les angles. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Après, à vous d'aménager, qu'on pourrait dire, d'améliorer vos petits albums. Hein. Et de la déco, du ruban, la dentelle. J'ai pas fait encore d'album avec un peu de dentelle. À faire, à essayer. Hop, je suis pas droite. Colle les doigts. Voilà, là j'habillerai le petit petite encoche. On fera la couverture ensemble. Et voilà, oui, c'est parfait ensemble. Je la ferai à part, puis je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc on a fait l'hiver, le printemps, l'été, il nous reste l'automne. L'automne, il y aura un pareil, ce sera un colle là. Ce sera un système d'accordéon. Voilà. Rien de compliqué. Donc, je termine tout ça hors caméra. Il est midi et demi presque. Je vous laisse parce que j'ai ma petite piqûre à faire. Petite piqûre du matin et crao. La piqûre qu'on n'a pas le choix sinon elle est tout qui part en sucette. Ah là là, ce diabète, je vous jure. C'est une maladie que je souhaite à personne, vraiment. Voilà. Donc ça, ce sera tout pour le petit album été. Je ferai des cours caméra, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Il en restera donc un à faire, celui de l'hiver. Celui de l'automne, pardon. Non, pour l'automne, j'avais cet album-là. Si je le retrouve. Parce que j'étais à Hawaii là-dedans. Ça c'est pareil, un de ces jours, il va falloir faire le ménage. Hein. Je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Hop. J'avais celui-là, ça c'est pareil. Celui-là, il n'est pas jeune non plus. Hein. Voilà, donc il y a les couleurs un petit peu automnales. Je vois moins que j'en trouve. D'ici ce soir ou la fin de la journée, je vais en trouver un autre. Bon. Les couleurs un peu
Là où il y avait les anciens albums de chez Action, il y avait des jolies choses à découper. On verra. Il y avait des jolies cartes. On verra tout ça plus tard dans la journée. Voilà, donc je vous souhaite donc une bonne journée. On se retrouve donc plus tard. Et j'espère que ces petits albums, ces petits tutos vous auront plu. Merci pour vos gentils commentaires. Ça, c'est un vrai bonheur par contre. Je me régale de vous lire le matin quand je me lève. Je vais sur mon ordi, enfin sur le portable parce que je n'ai pas d'ordinateur. Sur le portable ou sur la télé parce que je connecte la télé. Et je regarde et vos commentaires et vos tutos parce qu'il y en a certaines qui sont abonnées et qui font de très très belles choses. Donc je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée et puis bien sûr, pour moi c'est naturel, je vous embrasse. À bientôt, au revoir.